l'ancienne république n'est plus. L'empereur Palpatine a créé un nouvel empire pour régner en maître absolu sur toute la galaxie. Dark Vador, le seigneur noir des Sith, a pris la tête de la 501e division de soldats clones. Désormais appelés les exécuteurs de Vador, les hommes de la 501e sont bien décidés à rétablir l'ordre au nom de l'Empire Galactique. L'Empereur a ordonné à ses nouveaux Stormtroopers de réprimer la rébellion naissante sur Naboo, un monde autrefois paisible. La manière forte est devenue la seule forme de diplomatie tolérée dans le Nouvel Empire. Dès le début, Naboo, la planète natale de Palpatine, a donné du fil à retordre à l'Empire. C'est vrai, plusieurs de leurs ambassadeurs avaient été renvoyés chez eux en plusieurs morceaux. La nouvelle reine de Naboo avait alors suspendu les relations diplomatiques avec l'Empire. Elle commençait même à envisager un recours à la force. Bref, l'Empire voulait faire tomber ce régime. Et une fois de plus, on appelait la 501e à la rescousse. C'était ma première mission en solo. Dark Vador, mon supérieur, avait donné l'ordre d'éliminer la reine. Ça devait avoir l'air d'un accident. Et en même temps, il fallait envoyer un message clair aux ennemis de l'Empereur. Et salut à tous, c'est Molitaire. Merci de la voiture qui passe devant et qui gâche mon intro. Je suis en compagnie de Demon Slash. Salut à tous. Et donc, nous sommes sur Naboo. Désolé pour cette intro complète. Alors aujourd'hui, nous sommes sur Naboo et nous faisons de la diplomatie impériale, de la diplomatie musclée, on va dire. Soyez prudents, soldats. Vous n'êtes pas très nombreux. On peut appeler ça comme ça, parce qu'une diplomatie en zigouillant tout le monde, voilà quoi. On peut dire que c'est des négociations musclées. Et par contre, eux, ils vont vite m'embêter pour une mission assez épique dans un combat en ville. Empire versus garde de Naboo. Et donc, nous devons tuer la reine. La reine de Naboo. Maintenant, direction la place de l'ambassade. Allez! Qu'est-ce qu'il prend, toi, de me tirer dessus, méchant? Mais c'est vrai, je suis dans le rouge, il me reste un ou deux PV et grand maximum, allez, on va dire. Ok, bah voilà, je suis mort. Ouais, bah, c'est le jeu. tu sais que c'est un mec de l'Empire qui m'a tué en plus? Si c'est un bleu, a tué... Donc, avec toi? A tué Molitaire, Théa, ouais. Ouais, un mec qui est avec moi, quel enfoiré. Cour martial. Ils savent pas viser, hein. Alors après, vous voyez, il y a la place, mais on peut pas y aller parce qu'on va se faire complètement défoncer par les tourelles. Je sais même pas s'il est physiquement possible de les défoncer. Faudra les désactiver. Mais on le fera plus tard parce que là, je sais même pas. J'avais déjà essayé une fois, mais il me semble que c'est physiquement pas possible à péter à moins d'y mettre une heure. Mais il me semble que théoriquement, c'est pas possible. Jamais vraiment essayé, on va pas essayer de toute façon. Je préfère faire mission dans les règles de l'art. Ouais, comme vous le voyez, comme vous l'avez pu le remarquer dans la cinématique, l'ère impériale a bien commencé. Et donc, il y a la force et tout le monde a envie de se rebeller. Comme vous voyez, même Naboo qui est un monde paisible, même dans les films, de toute façon, ils ont envie de se battre contre l'Empire. Alors voilà. Bon, on va les massacrer, aucune pitié. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix en même temps. Et donc, nous reprenons cette campagne en ère impériale. Donc, on joue les méchants. Après, est-ce qu'on peut vraiment caractériser l'Empire comme les méchants? Étant vu qu'eux, tout ce qu'ils veulent, après tout, l'Empire, c'est des clones, ils veulent juste rétablir l'ordre. Est-ce qu'on peut les classifier comme des méchants? J'avoue, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses, des bonnes tâches? Bah, j'en sais rien. Je serais tenté de dire que c'est plus eux qui... que c'est plus ceux qui les provoquent qui foutent la merde, mais bon... Mais bon, voilà,
sont ça a peine importance. De toute façon on doit tuer tout le monde, alors voilà. Donc ça a peine importance dans le jeu. Ouais. Bah c'est vrai que l'Empire fait chier avec leurs prisonniers, mais bon, si on peut les classifier comme étant les gentils, peut-être pas nous. Donc là, je suis en train d'affronter 4 tanks, donc c'est un peu chiant. Dégage toi. Par contre, j'ai pas de technicien pour réparer, c'est un peu chiant. Hop, on les écrase. Alors, je suis bloqué avec, avec les carcasses des tanks, voilà. Ok, il y a l'autre qui tire. Le tank, on va encore s'en servir après, c'est pour ça, mais dommage, j'ai pas de technicien pour réparer, il est un peu, il a mis de life le tank, mais c'est pas grave. Ah merde, faut pas que je... Ah merde, j'ai plus de grenades. Juste, faudrait que je tue quelqu'un ou alors... Oh, bah, attends, j'ai pas de technicien. Excellent. C'est bien grave. Maintenant, il faut détruire la console du réseau de tourelles pour accéder à la place. Détruisez-la, et nous pourrons capturer la reine. Et donc là, il faut péter la console que vous voyez là-haut. Donc là, je crois qu'il va y avoir des copains. Bonjour. Ils sont 6 contre moi, ils arrivent pas à me tuer, mais bon, c'est qu'un détail, après tout. Bonjour. Les Jedi de la garde personnelle de la reine ont fui le palais. Éliminez-les. Et donc là, nous allons nous affronter encore une fois des Jedi. On en a assez des Jedi, c'est pas possible. C'est pas la dernière fois qu'on les affronte, qu'on en affronte en tout cas dans la campagne, mais bon. Là il faut dégager des Jedi pour que la reine sorte, vu qu'elle essaie de s'échapper. Vu que la place est plus protégée, vu qu'on vient de péter les tourelles. Hop, dégage-toi. En même temps, ils envoient des padawans affronter des troupes impériales. C'est une très mauvaise idée. La reine tente de s'échapper avec ses gardes. Voilà notre ami la reine, donc de souvenir un missile dans la face, voilà, même avec le temps que ça fait très mal, un missile dans la face, ça fait mal. Et donc elle est morte. La mort de la reine va sûrement dissuader tous ceux qui voudraient se rebeller contre nous. C'est le calmer celui devant là. Et voilà, donc je vous laisse avec la cinématique de fin avec cette belle vue d'un sabre qui a fait une coupe à rondelle. Tu l'as fini ? Une fois la reine éliminée, on n'a plus opposé de résistance. C'était la première fois qu'on demandait à la 501e de faire tomber le gouvernement du planète. Ensuite, c'est devenu une spécialité. On nous appelait les exécuteurs de Vador. Et voilà, donc cet épisode est fini. J'espère que cela vous aura plu et l'Empire a fait tomber le gouvernement de Naboo. Allez, salut tout le monde ! Salut à tous !